Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Dieu Tout-Puissant, celui qui siège sur son trône de gloire. Nous lui donnons toute la gloire en ce moment. Et nous vous saluons, téléspectateurs et téléspectatrices, dans ce grand nom et puissant nom de notre Créateur. Que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité à cette émission, pour votre ponctualité. Nous sommes vers vous pour vous apporter encore la parole de Dieu, prier avec vous avant de vous laisser. Et nous sommes certains que la voix que nous portons vous fera du bien. Restez câblés, restez des nôtres, soyez des nôtres jusqu'à la fin. Le Seigneur a un message particulier pour toi. Nous allons prier pour continuer. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons encore ton nom. Merci pour tout ce que tu fais dans nous. Merci pour ta fidélité, ta protection, ta sécurité dont nous avons été bénéficiaires. Merci pour la nourriture. Merci pour la paix. Merci pour tout, Seigneur. Que ton nom soit béni. Reçois toute la gloire. Nous sommes encore là, Seigneur. Dans ta présence. Sous tes regards. Pour que tu passes par nous. Pour apporter ta parole aux téléspectateurs. Nous te demandons de nous inspirer. D'envoyer ta puissance. D'envoyer ton nom sur nos vies. Pour que nous soyons capables de communiquer ta parole, de communiquer tes pensées et prier pour tes enfants. Merci de le faire. Pour ce qui concerne le diable, il a échoué. Il n'a pas sa place dans cette émission. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens faire ton œuvre. Pour que la gloire te soit donnée. Nous te le demandons dans le nom de Christ, notre Seigneur, Sauveur, Rédempteur, celui qui est mort, mais qui est vivant, au nom de ce puissant Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Plus précisément dans Apocalypse. Que certaines versions appellent révélation. Apocalypse chapitre 5, les 12 premiers versets. Suivez-nous dans la lecture. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux. Et ces 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint
il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Alléluia. Amen. Aïe, mais pas à balai si on l'on nous donne un mec plein et godo katan. Aïe, on traîne nous plein, nous traîne nous à train là. Le amessi bobo, non, fiasi qui la paix, nous nous sime. Aïe, mais pas maou dola, c'est si à des legs, befan de mplek, began de bena. Ame kaye djebe, wavu akbale la. Eye, wade efe nutre nwa oda. Eye, ame adeke men no jipo, alo, anyigbanji, alo, ji anyigbante. Si te wu akbale la, alo, te wu pa eme han o. Eye, me fan vivu, elabena. Ome po ame adeke si djebe, wavu akbale la, alo, wakpo eme han o. Tete, ame ga kokwa o dometo de kak blonan bena. Me ga fan vi o, poda. Jata si cho yuda pe tolame, sinye David pe ke la, eluji. Be wavu akbale la, eye, wade efe nutre nu adre oda. Aye, le, shazikwi la, ple nu bakbe, ene o titina, ple amega koko titina. La, mekpo alevya de le titre di. Abe de wowi ene, aye, jo andre, ple Nku andre si onye mau fe bobo adre si wo wodon de anigman kata jila line. Eye wova eye woko akbale la le ame si bobo non fiazikbi la di la fe ndusime. Esi, eye esi me woko akbale la nu bakbe ene awo. Ple amega koko blavevo ene o chomo anyi de alevi la pe nkume. Eye sanku ple sika bao siwo me yo tan ple atike veve. Sinye ame kwa kwea o pe gbe dodo la o la le wo dome ame siame si. Eye o diha eye ye le gbogblom bena. Uwe wo jebe na ho agbale la eye na de efe nutre nwa oda elabena wo wuwo eye ne cho wo vu flemi cho to sia to ple gbegboglo sia gbegboglo ple du sia ju ple du ko sia ju ko me kena mau eye ne wo wo fia fia wo ple nu no la ona mia fa mau eye wodu fiale anyigban laji aye mepo aye mese mau dola degbe si wofo si opo class fiazikpi la ple nu bagbe ple amega koko fe gbedidi aye wo fe regleme nu ana apewo ete fe apewo ple ape apewo wo le gbogblon ple gbegan bena. Alevi si wo wula, ey aye jebe, wako, nou tete kple, kesi nonyenye,
Ple nou nya, ple nou sen, ple boubou, ple kokwe, enu ti kokwe, ple kafou kafou. Amen. 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 Encore une fois, que le Seigneur bénisse sa toute puissante parole. Nous avons fait une longue lecture pour votre bien. Ne pleure pas. Voici la solution. C'est ce que nous proposons comme titre à cette exhortation qui va nous conduire à la prière. Ne pleure plus. Voici la solution. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. L'apôtre Jean, le dernier apôtre en vie, a perçu un rouleau dans les mains de Dieu. Apostolo mamle inye Johannes aiti agbe o epo agbale ngonglo adele mia foto pasime. Et ce livre était scellé de 7 sceaux. Aye agbale o trenu plenu trenu adre dans la main de Dieu. Les mains aussi mais. Et la Bible dit tous les événements qui doivent encore se produire à la fin des temps étaient consignés dans ce livre. Et celui-ci était écrit dedans et en dehors. Mais au début, l'Écriture déclare que personne ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Personne n'était en mesure de déclencher les événements et les jugements décrits dans ce livre. Alors la parole de Dieu dit que, envahi par le sentiment que le dernier décès final de Dieu ne se produirait pas sur la terre, Jean se mit à pleurer. Aïké, Yohane Valé, c'est somme le document, ben, ma ou pe dodo, ma mlome, jatem vem, ou la ba, mère, ke ma te wak, balé la, ou la, e va diavi, fa fa gomè. Il était envahi par ce sentiment. Aïe, c'est la mè, aïe, n'y être de. L'émotion a pris le cœur de l'apôtre. C'est la mè, aïe, du apôtre, l'opé, dit. L'émotion a pris le cœur de ce dernier apôtre qui était encore en vie pendant que ses collègues étaient déjà tués. C'est la mè, aïe, du apôtre, n'y ma mè, tiakbe. Alors, comme il n'y a personne qui fut trouvé digne de prendre le livre des mains de Dieu, de l'ouvrir et de faire déclencher les événements finaux, alors l'apôtre se met, la Bible dit, se mit à pleurer. Ayo, on y avait amérité mes dieux. Atem quoi, balé là les mains aussi mais. Ayo, ouais de nous très noir de nous nous ne dieux gomme. Bible a nommé y avait apôtre le avait dit avis fafa gomme. Et la Bible dit il a pleuré beaucoup. Et Bible a blâmé fafi vous. Parce que le destin final de Dieu ne se produirait pas sur la terre. La belle épreuve nous pas bon homme. Ou peut t'adonner nous m'amener toi matin vingt Jean a vraiment pleuré. Johannes fafi sous-suivi. Il a pleuré et il était tombé dans une tristesse totale. Aïe, Favi, on le blanui, garde. Praise the Lord. Alléluia. Ça peut arriver aussi pour toi. Ate Jordan Radio. Ou devant une situation donnée. Alébele, non, non, mais arrête un coup, mais. Tu te mets à pleurer. Avale à Favi. Ou bien même, toi qui es en train de nous regarder. Alors, oui, il est mis à confier. Tu as déjà longtemps pleuré. Favi et Didi. Comme Jean. À cause d'une situation, à cause d'un projet qui doit se réaliser, mais qui refuse, tu as pleuré.
Dans ton foyer, tu pleures. L'onction de paix est la vie femme. Parce que les choses ne marchent pas comme ça doit marcher. Elle a bien nommé les onctions, elle a bien dit qu'il y a des tu ne comprends plus rien. Mais quand elle n'a rien qu'un temps comme c'est bon. Au service. Oh, les dons, père. Tu as poussé des cris de détresse. Mais personne n'est là pour te secourir. Tu as revendiqué. Mais on te menace de renvoi. Tu as menacé de renvoi. Tu as demandé au moins une petite augmentation de ton avoir. Pour que tu puisses aussi joindre les deux bouts. Mais tu es menacé de renvoi. Dans ta famille, rien ne marche. Et cela t'a fait pleurer longtemps. Et même quand on invoque votre famille, votre nom, il n'y a pas de considération pour vous. Et parfois tu te demandes pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Parfois même tu es plongé dans une détresse. Et c'est les larmes qui viennent. Comme l'apôtre a pleuré. Et la parole de Dieu a signifié qu'il a pleuré beaucoup. Jean dit, et j'ai beaucoup pleuré. Parce qu'il se trouvait dans une impasse totale. Il n'y a plus de voix de son. Pourquoi le destin final de Dieu ne peut pas se produire sur la terre? Pourquoi les choses sont comme ça? Pourquoi il n'y a personne pour nous sauver? Et que nous allons continuer à moisir dans les mains du diable? Pourquoi? Sur la terre. Sur la terre. Dans le ciel, il n'y a personne qui soit trouvé fidèle, capable de prendre le livre des mains du Tout-Puissant, de lire le livre, de rompre les sceaux et de faire déclencher les événements pour que nous habitants sur la terre, nous soyons libérés des jougs de l'ennemi, libérés des jougs du diable, libérez des méchants, libérez des mains des sorciers. Pourquoi il n'y a personne qui puisse lire le livre? Envahi par un sentiment de culpabilité. Envahi par l'émotion de tristesse. Jean a pleuré. Johannes Favi. Comme toi aussi tu as pleuré. Abel Johan est Faviene. Précieux. Alléluia. Dieu nous envoie te dire. Ma ou domi de dat bobe mi ak blono obe. Ne pleure plus. Mais gafavi ke o. Voici la solution. Dontia yenye si. Jean a pleuré. Johannes Favi. Mais quand il a vu la solution. Wa yo po dontia. Il a séché ses larmes. Hey, tu tues pas d'assio. Sèche aussi tes larmes. Ouais, tu tues d'assio. Car. Elle a bena. La solution. Dontia. Est avec toi. Ali bakliyo. Écoute-moi bien. Roto mieux. Zacharie est passé par. La il a pleuré comme ça. Mais quand Dieu l'a consolé, les larmes ont cessé. Anne est passée par là. Elle a pleuré. Ton aïeul. Elle a pleuré. Comme toi. Parce que ça ne va pas. Parce qu'elle a été mortifiée. Elle a Elle a souffert au foyer. Parce qu'elle était stérile au début. Mais quand Dieu l'a visitée, les larmes ont été séchées. Abraham et Sarah sont passés par là. Mais le Seigneur les a sauvés. Dieu ne les avait pas abandonnés. Il était à leur côté. Il est venu apporter la solution. Ne pleure pas. Voici la solution. Précisément. Alléluia. La Bible dit, au moment où Jean pleurait, quelque chose s'est passé. Quelque chose de nouveau s'est passé. Précisément. Alléluia. La Bible dit au verset 5e que l'un des vieillards va dire à Jean
va bona Johannes Bena. Ne pleure pas. Mega favi o. Ne pleure pas. Mega favi o. Voici. Bona. Le lion de la tribu de Juda. Si tu joues d'après tout la main. Le rejeton de David. Il y a David peut que là. Lui seul. Et il y a quoi? A vaincu. Doudi. Pour ouvrir le livre. Ben wa wa balela. Et c'est cette saut. Et wa de nous tenons à Dréora. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Le temps, la fête, la main. La solution pour ton problème. Ce n'est pas les larmes. La solution pour ton problème. La solution pour ta stérilité. La solution pour ta stérilité financière. La solution pour ta stérilité matérielle. La solution pour ta stérilité biologique. Ce n'est pas les larmes. Mais c'est Jésus. Lui seul a vécu. C'est ce que le vieillard, un des vieillards, est en train d'annoncer à Jean. Et nous, il y avait des fois des amégas qui ont fait le domaine de Cana Yohane. Il ne pleut pas. Et même un gars, sa vie. Ah! Et la benne. Quelqu'un a vaincu. Amiade Doutu. Son nom. Et pour encore. Et le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. David Bekela. Lui seul. Et il est là. Sur la terre. Sur la terre. Dans le ciel, a été trouvé fidèle, capable de prendre le livre de la main de Dieu, de le lire, de rompre les sceaux et de faire déclencher les événements pour que nous soyons libérés. Oh, alléluia! Pour que nous soyons libérés, pour que nous ayons le salut, pour que nous ayons la solution à nos problèmes, pour que nos projets se réalise. Pour que nos vies changent. Pour que notre histoire change. Oh, alléluia. Lui seul est trouvé capable. Ne pleure pas. La solution pour tes larmes, c'est Jésus. Priez le Seigneur. Pourquoi la Bible appelle Jésus-Christ le lion de la tribu de Juda? Juda était le quatrième fils de Jacob. Qu'il avait surnommé le jeune lion. Et lorsque Jacob bénissait ses fils, quand il arrive sur son fils qui s'appelait Juda, ce qu'il avait l'habitude de faire. Parce que vous savez que dans le temps, c'est une coutume. Où il faut que le papa bénisse les fils. Et que la maman bénisse aussi les fils. Donc Jacob, chaque fois qu'il bénissait ses enfants, quand il arrive sur ce quatrième fils qui s'appelait Juda, il disait souvent, le bateau de commandement ne s'écartera pas de Juda jusqu'à ce que vienne le silo. C'est-à-dire celui à qui appartient ce bateau. Alors Christ est descendu de Juda. Alors il a reçu le sceptre de ce bâton-là. Il a reçu ce bâton de commandement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le règne de Christ n'aura pas de fin. Il a reçu le bâton du commandement. Ça veut dire que cet enfant qui s'appelait Juda, donc parlait son père Jacob, représentait déjà l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a le bâton de commandement. Il est le Tout-Puissant. Rien ne peut l'arrêter. Il est le plus fort. Jésus est puissant. Jésus est grand. Il est costaud. Il est puissant. Et nous Alléluia. Rien ne peut l'arrêter.
dans sa marche. Rien ne peut l'arrêter. Il a un bâton dans sa main. Ce bâton s'appelle le bâton de commandement. Le lion de la tribu de Juda. Christ descendait également de David. C'est donc avec raison qu'il est appelé le rejeton de David. Ne pleure plus. Voici la solution. La Bible ne dit pas le mouton de la tribu de Juda. Ou bien le bouc de la tribu de Juda. Ou bien la gazelle de la tribu de Juda. Ou bien l'éléphant de Juda. Mais il dit le lion. Le roi des animaux. Librement Satan. C'est pourquoi Christ est roi. Il est le roi de tous les rois. Le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. C'est lui qui a vaincu. Lui seul a été trouvé capable de prendre le livre, de le lire, de rompre les sceaux et d'ordonner que les événements se passent sur la terre. Pour ta libération, pour ton salut, pour ta bénédiction, pour ta prospérité, pour ton changement, pour ton élévation, pour ta promotion, pour ce que tu cherches, pour ta vie, pour ta santé, pour tout ce que tu veux. Lui seul a été trouvé fidèle. Il a vécu même le péché. Il a vécu la mort. La mort n'a plus le pouvoir sur toi. Christ est ressuscité dans les morts. Il a vécu la mort. Il a vécu le péché. Il a vécu le mal. Il triomphe de tout. Il est vivant. Oh, alléluia. C'est lui la solution à tous tes problèmes. Confie-toi à lui et tu verras le salut de Dieu. Il a vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Alléluia. Il a vaincu le monde. Il a vaincu les problèmes. Il a vaincu les difficultés. Il a tout vaincu. Son nom, c'est Joshua Amasia. Il a tout vaincu. Joshua Amasia a tout vaincu. Pourquoi tu ne veux pas croire? Pourquoi tu ne veux pas placer ta confiance en lui? Pourquoi tu ne veux pas livrer ton cœur à Christ? Pourquoi tu ne veux pas appartenir à lui seul? Pourquoi tu ne veux pas lui dire Christ, tu es mon Seigneur? Pourquoi tu ne veux pas lui dire c'est toi seul je vais adorer? Pourquoi tu ne veux pas lui dire c'est toi seul je vais suivre? Il a tout vaincu. Il est vivant. Jésus veut vivre dans ta vie. Il veut vivre dans ta situation. Il veut vivre dans ton problème. Jésus veut vivre au foyer avec toi. Il veut vivre au foyer avec toi. Dans ton voyage. Jésus veut vivre avec toi. Toi qui es sur une terre étrangère. En train de nous écouter. En train de nous voir. Jésus veut vivre avec toi. Sur cette terre étrangère, qui n'est pas ta terre natale, qui n'est pas la terre de tes aïeux, tu es forcé à aller là-bas. Mais Jésus veut aller avec toi. Il veut demeurer avec toi. Il veut rester là-bas avec toi. Il veut être ta solution. Il veut être ton bonheur. Il veut être ta vie. Il veut être ta santé. Il veut être tout pour toi. Confie-toi à lui. Confie-toi à lui. Sèche tes larmes. Même si c'est l'ennemi qui t'agace. Jésus est la suprématie. Sur le
diable. Si c'est acolyte. Même si c'est avec la mort, tu es effrayé. Quelqu'un t'a dit qu'il va te tuer. Et tu as peur. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Ne crains rien. Confie-toi à lui. Confie-toi à lui. Tu triompheras de la mort. Tu triompheras du diable. Tu triompheras de ses acolytes. Tu triompheras des méchants. Tu triompheras des sorciers. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Non. La mort prématurée. Jésus l'a vaincu dans ta vie. La mort prématurée. Jésus l'a vaincu dans ta vie. Confie-toi à lui. Et tu triompheras. Au nom de Jésus. Nous rendons gloire à Dieu. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. La gloire de Dieu doit descendre sur toi. 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 Tu dois voir la gloire. Tu dois voir la gloire. Ton histoire doit changer. Elle doit changer. Ton histoire doit changer. Ce qui est écrit sur toi doit s'accomplir. Même si le diable ne veut pas. Même si les méchants de ta famille ne veulent pas. Même si tu es né dans une malédiction. Tu sortiras. Tu sortiras. La gloire va t'atteindre. Et tu vas sortir de la malédiction. Même si tout le monde est maudit. Dans ta famille. Toi tu vas sortir. Tu vas sortir de la malédiction. Et toi tu seras béni. Et c'est toi qui iras changer ta vie. Dans le nom de Jésus. Que cela soit ainsi pour toi. Ne crains pas. Ne pleure plus. Cesse tes larmes. La solution est là. Cette solution. C'est Jésus. Le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Son nom est Jésus. Son nom est Christ. Son nom est Joshua. Qui ne savent plus à quel sens vous
Que la gloire vienne les chercher. Que la gloire de Dieu les atteigne. Que Dieu les délivre. Que Dieu les sauve. Que Dieu les libère. Au nom de Jésus. Notre Dieu, notre Père. Ta parole est la vérité. Elle ne ment pas. Elle ne trompe pas. Elle est puissante. Elle est immuable. Par ta puissance, parce que c'est toi qui fais l'œuvre à travers nous. Seigneur, nous prions que cette parole soit effet dans la vie de tes enfants. Tout ce qui gémissent, tout ce qui coupissent dans le mal, dans les difficultés, dans les problèmes, dans la main des méchants, nous prions pour eux. Ta gloire, que rien ne peut résister. Ta gloire, qui est puissant. Ta gloire, qui libère. Ta gloire, qui délivre. Ta gloire, qui opère des prodiges devant laquelle aucune personne ne peut résister. Devant laquelle aucun démon ne peut résister. Envoie ta gloire pour chercher tes enfants. Envoie ta gloire pour libérer tes enfants. Envoie ta gloire pour chercher ta création. Envoie ta gloire pour que tes enfants trouvent la libération. Envoie ta gloire pour donner à tes enfants. Envoie ta gloire pour changer l'histoire de tes enfants. Dans le nom de Jésus, Seigneur, il n'y a pas que les pleurs. Lorsque nous cheminons avec toi, il n'y a pas que les pleurs. Lorsque nous cheminons avec toi, mais à un moment donné, les pleurs cessent, les larmes cessent. Et nous reprenons chemin, nous reprenons courage. La joie revient sur le visage, le sourire revient sur le visage. Seigneur, le moment est arrivé. Le temps a sonné. Pour que tu fasses quelque chose, pour que tes enfants, Seigneur, soient libérés, que la sourire revienne, que la joie remplisse les visages, que la joie remplisse les visages, que la joie remplisse les visages, que les choses changent, que les choses changent, que les choses changent, que les choses changent, Korabashala, Nebrobashala, Toyama. Dans le nom de Jésus, tu as fait hier, tu le fais encore, tu le fais encore aujourd'hui, car tu ne changes pas, tu es le même, tu ne changes point. Seigneur merci, merci Seigneur, nous allons prier encore. Nous allons prier. Que les chaînes tombent. Les chaînes ancestrales. Qu'elles tombent maintenant. Ceux qui sont liés. Ils sont liés par l'ennemi. Que la gloire de Dieu rompe maintenant ces chaînes.
Ceux qui sont sous le joug de l'ennemi. Seigneur, nous élevons nos voix. Car nous croyons que c'est toi qui libères. C'est toi qui délivres. C'est toi qui apportes le salut. C'est toi qui apportes le changement. Nous prions à toi. En faveur de tes enfants. En faveur de ceux qui te craignent. Libère. Délivre. Libère. Délivre. Toi qu'on amène à la boucherie. Toi qu'on amène à la mort. Et tu n'as plus mot à dire. Tu n'attends que la mort. Dans le nom de Jésus. Reçois la vie maintenant. Reçois la vie maintenant. Les liens de la mort sont rompus sur ta vie. Sont rompus sur tes mains. Sont rompus sur tes pieds. Toi qu'on amène à la mort. Reçois la vie, reçois la vie, la maladie qui te malmène, sois libéré de ses mains, sois libéré de ses mains, au nom de Jésus, la maladie qui te bloque la voie, sors maintenant, dans le nom de Jésus, nous crions à Dieu, en ta faveur, toi qui es soumis, Tu as fait fatiguer. C'est le jour de ta libération. C'est le jour de ton salut. Sois libéré. Nous proclamons ta libération. Nous proclamons ton salut. Nous proclamons ton salut. Nous proclamons ton salut. Nous proclamons ton salut. Dans le nom de Jésus. Reçois le salut maintenant. Au nom de Jésus. Reçois le salut. Reçois le salut. Tu ne vivras pas sur le joug de l'ennemi. Tout ce qui est joug sur ta vie, tu as fait fatiguer. Éprisé. Tout ce qui est joug. La malédiction, mais qui est devenu chou sur ta vie, elle est brisée. Cette malédiction-là, elle est brisée. Ce joug-là, il est brisé. Il est brisé au nom de Jésus. Il est brisé au nom de Jésus. Tout ce qui est hôtel, comploté contre Dieu, est brisé, est détruit sur ta vie. Les hôtels de famille, les hôtels ancestraux La solution, c'est le Christ. Celui que le tombeau n'a pas pu retenir. La solution, c'est le rejeton de David. La solution, c'est Joshua Amasé. C'est le Tout-Puissant. Il règne. Et son règne n'aura pas de fin. C'est lui la solution. Viens à Jésus et tu seras libéré. Et tu seras sauvé. Et tu auras la vie. Tu auras le salut. Tu auras la bénédiction. Tu auras tout. Et le ciel va s'agir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes, we are.
Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce soit avec vous. Ne craignez rien. Avancez étonnamment. Au nom d'une seule personne. La personne de Christ. Que Dieu bénisse cette chaîne de télévision. Bénisse le corps dirigeant. Et bénisse tout le personnel. Nous vous aimons. Mais l'Éternel nous aime pas des choses. Nous reviendrons encore vers vous. Si Dieu le veut. À la prochaine. Soyez bénis. Shalom. Shalom. Bye bye. Bye.